Eh bien, salut tout le monde, c'est Roscar. Aujourd'hui, on se retrouve pour le quatrième épisode de notre série Pixelmon Johto. J'espère que vous allez bien. Je crois que c'est le quatrième, j'espère que je ne me trompe pas. Alors, la dernière fois, on avait gagné notre premier badge d'arène, hein, souvenez-vous, à l'arène de Mauville, et on était arrivé ici. Alors, ici, c'est Ecorcia, il me semble, en français, je sais plus trop. Je crois que c'est Ecorcia, ouais. Si je me trompe pas, c'est Ecorcia. Donc, j'espère que je ne me trompe pas. Alors, depuis le dernier épisode, j'ai entraîné un petit peu tout ce qu'on a sur nous, sauf Carapagos, parce que Carapagos, je crois pas que je vais le garder. Magikarp, ça peut être bien de le garder. Arco aussi, pour le moment. Enfin, voilà. Mais voilà, Carapagos, je pense pas le garder. Mais on va tout de suite tirer au sort quelqu'un, parce que je vous avais demandé dans le dernier épisode de trouver un nom pour Carapagos. Donc voilà, on va directement tirer au sort quelqu'un. Hop, alors attendez, hop. Voilà, comme ça, je le fais avec vous. Tac et tac. Alors, Lucario et Mewtwo qui m'ont dit que Carapagos est égal à Caracrados. Alors, on va l'appeler Caracrados. Heureusement que je ne le garde pas dans mon équipe parce que. Caracrados, quoi. Alors, je vais l'écrire comme tu me l'as mis, moi. Comme tu l'as mis, je crois que tu as mis ça comme ça. Hein. Caracrados. Caracrados. Oui, voilà. Tu l'as mis comme ça. Enfin, Caracrado. Oui, parce que je dis Carapagos, du coup, je me dis, je vais dire le S aussi, mais c'est vrai que c'est Caracrado. Donc voilà, bon, on va pas le garder forcément, du coup on va aller le mettre au PC, tac, mais ça on fait déjà un. Alors d'ailleurs, niveau Pokédex, c'est dommage, on a toujours pas. J'ai fait la mise à jour, oui, donc c'est pour ça que je regarde un petit peu. J'ai fait la mise à jour, donc c'est maintenant, c'est en 3.3.8, j'espère que ça n'a pas fait bugger parce que j'ai vu que quelques trucs. Enfin, quand j'ai rechargé la map, ils m'ont dit qu'il y avait certains blocs qui n'étaient plus là, donc je sais pas, on va bien voir si ça a bugué ou pas, j'espère que non. C'était quoi ici? Attendez, pourquoi il y a un panneau là? Je ne sais pas ce que c'est dans le jeu ici, tiens. Alors attendez, je regarde un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Quelqu'un m'a demandé de capturer un Mister, donc on va aller directement en capturer un. Alors il y a un niveau 16, donc on va prendre le niveau 16. Hein. Hop, on va essayer de lui faire un petit peu de dégâts. Ah, j'ai oublié de soigner mon équipe, tiens. Oula, par contre, ça s'annonce mal. Pokéball. Il n'y en a pas une. Hein. On est d'accord que dans ceux-là, il n'y en a aucun. Enfin, il n'y a aucune Pokéball type plante. Hein. On tente avec une Rapid Ball qui est assez stylée d'ailleurs. Yeah! Et on a capturé Misterbe. Alors, je vais directement donner ton pseudo à Misterbe. D'ailleurs, regardez-moi ça. Les Pokéballs à gauche, là, elles sont méga stylées maintenant. Je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez-moi ça. Là. Par exemple, la Rapid Ball. Regardez, c'est stylé, je trouve. Donc, alors, hop, je vais aller chercher ton commentaire. Ah, j'aimerais que tu attrapes Misterbe et que tu le renommes Betrifide si c'est une femelle. Et si c'est un mâle, Betrifir. Alors, ok, c'est quoi? Ah, je peux pas voir. Ah, si, c'est une femelle. C'est une femelle, donc on va l'appeler. Alors, je vais copier-coller le truc, ça sera plus simple. Comme ça, je risque de ne pas me tromper par rapport à ce que tu m'as mis. On va juste mettre un B majuscule. Voilà. Voilà, on a renommé donc Misterbe, donc on peut aller aussi le mettre au PC. Oui, c'est un petit peu l'épisode capture aujourd'hui. On va aller voir aussi la grotte au Ramalos là. Je sais plus si elle a un nom. Le Puy Ramalos, je crois que c'est ça le nom. Dans le jeu, le Puy Ramalos. Ah, il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé Emolga une fois. Je crois qu'il y en avait un là-bas, je sais pas s'il est encore là. Mais, ah oui, il est encore là. Alors, je sais pas s'il est haut niveau ou pas, j'espère que non. Parce que les. Ah non, il est niveau 9. Alors, tac, on va l'affronter. Qu'est-ce que je peux lui faire? Est-ce qu'il va prendre beaucoup de dégâts? What? Il m'a. Oh là, il m'a tué! Bah, Rémigo, hein. Hop, je vais le capturer avec une simple Pokéball. Je vais simplement regarder. Alors, Emolga, c'est pas sur cette vidéo-là. Oui, parce que je prépare les commentaires des vidéos à chaque fois. Enfin, je mets les vidéos en arrière-plan à chaque fois et puis je recherche le commentaire simplement. Malheureusement, c'était dans l'épisode 2 déjà qu'on m'a demandé. Donc, épisode 2. Hop. Et en plus, vous mettez tellement de commentaires sur cette série. Oui, petit rappel hein, pour ceux qui découvrent peut-être la série là-dessus ou quoi. Vous pouvez mettre dans la description les Pokémon que vous voulez que je capture avec un nom à chaque fois pour les Pokémon que voilà. Enfin. Alors, on m'a demandé Scobolide aussi, mais je crois que c'est
Il faudra que je regarde. Alors oui, donc avec cette mise à jour, il y a Xatu qui a été ajouté. Donc regardez, il est là, il est magnifique. Ou pas. Mais voilà, enfin, il y a plein de trucs, vous allez voir. Il y a des légendaires, etc. en plus. Emolga. Ah voilà. Peux-tu renommer un Emolga en Maliarano? Alors, tac, on va prendre du coup ça. Alors, je suis désolé si parfois vous êtes deux à poster par exemple le même Pokémon. Et que j'en prends qu'un des deux sans tirer au sort obligatoirement. C'est juste que j'ai oublié qu'il y en a deux qui ont posté le nom pour le Pokémon. Donc voilà. Si jamais ça m'arrive, dites-le dans les commentaires et puis je capturerai quelqu'un d'autre pour vous. Donc voilà. Alors, Emolga, on va le mettre là aussi. Ça les change. Voilà. Les autres, on va les garder. Alors, il y a Arco qui peut évoluer. Il y a Magikarp aussi. Je ne les ai pas fait évoluer pour le moment parce que je filmais pas quand ils sont montés de niveau et tout. Donc, je me suis dit que j'allais les faire évoluer avec vous. Et du coup, ouais, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé Scobolide aussi. Je sais pas si. J'ai pas regardé au final. Je crois que quelqu'un m'avait demandé Scobolide. Alors, je sais pas si c'est dans celui-ci ou celui-ci. Scobolide et appelle-le Krenive. Et je crois qu'il y en avait un dans l'autre aussi. Attendez, Sco. Ah oui, il y a deux personnes qui ont demandé Scobolide. Du coup, je vais faire un random entre les deux. Comme ça, bah, j'en choisirai un des deux. Et puis voilà. Je suis désolé si pendant que je fais ça, ça bouge pas forcément votre écran. J'essaie d'aller le plus vite possible. Tac, c'est la deuxième personne. Et la deuxième personne, c'est Enzo qui m'a demandé de l'appeler Creneve. Alors on va l'appeler Creneve du coup quand on va le capturer. Ah ok, on m'agresse et en plus c'est un niveau 40 quoi. Non, s'il te plaît. Arrête de m'agresser, please. Mais, sérieusement, ça par contre c'est abusé. Hein. Mais le mec! On se casse, il y avait un Scobolide là-bas, oui il est là, alors je sais plus combien le niveau combien est-ce qu'il est par contre. J'espère qu'il est pas trop haut niveau. Niveau 22, bon limite ça peut passer. En plus il m'agresse tout seul, vous avez vu ça. Alors relais, hop, on appelle Firefox, qui va lui faire un petit peu de dégâts, roue de feu. Voilà, ça le one shot pas, c'est parfait. Pokéball, Copain Ball, je sais plus ce que c'est, tiens, une Copain Ball, c'est pour qui ça? Bonne question. Ah, il s'est enfoui. Ok, alors est-ce que j'ai une Pokéball pour les insectes? Non, bon, on va utiliser la Copain Ball. Je sais pas c'est pourquoi exactement la Copain Ball. C'est pour un type ou autre. Ah, c'est peut-être quand genre le Pokémon est du même type que celui que j'ai sorti moi. Ou un truc comme ça, je sais pas. Alors, une Lune Ball, ça sert à rien. Une Love Ball, peut-être, je sais pas. On va avoir du mal à le capturer, j'ai l'impression. Pourtant, malheureusement, je ne saurais pas lui faire plus de dégâts parce que si je lui fais plus de dégâts, c'est la mort. Limite, on peut changer de Pokémon. Hop, on va appeler Rémi. Logiquement, il fait pas beaucoup de dégâts, je pense. Oh non, il fait pas beaucoup de dégâts du tout, même. Voilà, on appelle Kiki. Hop, et là, Love Ball. Oh, il s'est enfoui encore, mais c'est une blague ou quoi? Tu veux pas te laisser capturer, mon gars? Je vais pas te capturer qu'une Lune Ball ou une Sombre Ball quand même. Bon, malheureusement, je le capturerai une autre fois parce que j'ai. Tiens, un œuf. Ça, c'était Flash. Carotte. Okay. Bon, malheureusement, je suis désolé, je le capturerai une prochaine fois. T'inquiète, je retiens le surnom que tu as donné. Enfin, je saurai c'est lequel des deux. Donc voilà. Alors, on va aller dans le Pyramolos du coup, parce que depuis tout à l'heure, je dois y aller, mais j'y vais pas. Et on va bien voir s'il y a des Ramolos. Normalement, il y a la Team Rocket ici. Alors, est-ce qu'ils ont mis la Team Rocket? Et déjà, on voit pas grand chose, c'est magnifique. On va utiliser peut-être Flash. C'est chelou qu'on voit rien là. Alors que normalement, j'ai justement le truc qui me permet de voir. Ah, ok, c'était le shader qui faisait ça.
Ça tombe, j'avais même pas besoin d'utiliser Flash, quelle arnaque. Alors bon, il n'y a pas de Pokémon. Par contre, les grottes, je les trouve super bien faites. Avec le pack de textures, je dois dire que ça passe très bien. Vraiment très très bien. Alors normalement, il y a des gens de la Team Rocket. Est-ce qu'ils ont mis des dresseurs pour la Team Rocket? J'en ai aucune idée. Il n'y a pas l'air. Hein. Il n'y a pas l'air. Il y a peut-être juste un objet à prendre au fond. Ou alors il n'y a rien du tout en fait. Alors normalement je sais pas si je peux déjà. Non, je peux pas passer dans l'eau normalement. Mais j'ai envie de voir où ça mène en fait. Voilà quoi, si c'est juste pour un objet qu'on vienne maintenant ou plus tard, voilà, en plus il y a un objet juste là. Puis limite, regardez, je passe quasiment pas dans l'eau au final. Voilà. On a une roche royale. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est pour faire évoluer Ramolos en... Enfin, Flagados en... Royal... je sais plus quoi. Royal Dos? Non, c'est pas ça. C'est quoi? Je sais plus c'est quoi exactement le nom. Bon, je suis désolé. Je suis désolé. J'irai voir sur internet après. C'est un truc avec Royal, il me semble, ou King, ou je sais pas quoi, enfin, c'est une histoire pareille, ouais. C'est là-bas que je suis apparu, ouais. Ok, bon, j'ai été chercher l'item, qu'on se le dise. Bon, logiquement, je suis pas passé dans, censé passer dans l'eau parce que j'ai pas forcément surf à cet endroit-ci du jeu. Mais disons que ça change pas grand-chose. Salut, petit coquac qui tourne sur toi-même. Dans le sens où c'est qu'un objet à prendre, quoi. C'est pas comme s'il y avait une suite à l'histoire ou je sais pas quoi, un légendaire ou je ne sais pas trop quoi à la fin de la grotte. Donc voilà. Alors, salut Capumain. J'espère qu'il y aura la prochaine mise à jour de sortie parce que, bon, là on a Lugia, on a Raikou, etc. qui ont été ajoutés, on a les trois chiens légendaires et tout. Mais moi j'attends une mise à jour où il y a Ho-Oh aussi dedans parce que ça serait bien qu'il y ait Ho-Oh dans une des mises à jour, quoi. Parce que si ça continue, on va vite arriver à la ville où il y a Ho-Oh normalement. Bon, logiquement, on n'est pas censé y aller directement. Wow, il y a plein de cap humains ici. C'est quoi ce bordel? Logiquement, on n'est pas censé y aller tout de suite près du Ho-Oh, mais bon. Voilà quoi. Alors c'est ça. Je pense que oui, c'est lui. Ah, il y a d'autres dresseurs cette fois-ci. Tiens, vous avez vu? Bon, par contre, le truc, c'est que le mec m'a agressé, ouais. On va affronter les autres dresseurs aussi après, hein, j'avais pas vu. En fait, le truc, c'est qu'ils sont foutus dans des... Ah oui, j'aurais dû jouer le jeu et pas sauter au-dessus de tout, en fait. C'est parce que j'ai sauté au-dessus de tout. Oh, ils ont refait Cocon Fort, je crois, au niveau de la texture. Je crois, mais je suis pas sûr du tout, mais il me semble qu'ils l'ont refait il y a pas longtemps, ouais. Il est pas mal, hein, comme ça. Bon, on va utiliser du coup Champi. Ok, contre lui, par contre, à mon avis, ça va être un petit peu plus chaud d'utiliser Champi, je pense. Je lui fais pas beaucoup de dégâts, hein, étonnement. Est-ce que ça lui fait beaucoup? Non, ça lui fait pas beaucoup non plus. Oula! Par contre, lui, il commence à me faire mal. Bon, vous inquiétez pas pour la prochaine arène, je vais pas plus les entraîner. Parce qu'au final, ils auront quasiment le même niveau que moi dans la prochaine arène. Pour qu'on ait un peu de challenge quand même, hein, parce que là. Oh! Ok, je parlais de challenge. Allez, Magikarp, go! Tu le finis là quand même, hein. Il finit pas? C'est une blague? Ah! Yeah! On a le badge ruche! Et Magikarp n'est pas monté de niveau, tiens, j'espérais qu'il monte de niveau. Mais il n'est pas monté de niveau, alors on va juste. Tac, 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 tac. On a gagné le badge ruche. Tiens, oui, on gagne pas de CT. Bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est juste que voilà, ça, c'est vrai que c'est pas. Ah, est-ce qu'on peut voir? Vous avez encore besoin de tuer 375 Pokémon pour que votre orbe soit pleine. Et les autres, c'est exactement pareil ou il y en a une que c'est plus que l'autre? Non, jusqu'ici, c'est pareil. Et jusqu'ici. Ah, ici, 353.
Comment ça se fait qu'ils savaient? Ah, c'est peut-être. Ah, il faut peut-être les avoir dans notre barre d'items en fait. C'est possible, ouais. Je sais pas, c'est possible. À mon avis, c'est possible que ça soit ça. Le problème. Alors, je sais pas pourquoi, mais à chaque fois, ils ont déjà la moitié de leur vie en moins. Je ne sais pas du tout pourquoi. Oh, Chrysacier aussi a été bien refait là. Il est beau maintenant. Oui, je découvre certaines nouveautés aussi de la mise à jour. Parce que sur le site, en fait, souvent, ils disent pas trop les nouvelles textures, ils disent surtout les nouveaux Pokémon ajoutés. Ok, on n'est toujours pas monté de niveau. Et il t'en manque beaucoup là? Ou pas beaucoup? Ah, il est. Il n'y a pas. Ah si, expérience 1576. 1576, mais c'est énorme. Ah non, j'étais pas censé. Ok, j'étais pas censé l'utiliser lui, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave, en tout cas, on a gagné le deuxième badge, donc voilà, tant mieux. Ah, ben attendez, tac. Ah voilà, là c'est Magikarp qui est sorti. What? Attendez, on est d'accord que mon Magi. Ah, mais il m'a agressé en même temps que j'ai sorti Magikarp, je pense. Alors je sais pas, là c'est vrai que c'est chelou. C'est chelou ce qui se passe, hein. Ok, en plus on gagne que dalle comme XP ici, c'est magnifique. Oh là, il y a eu un petit lag, j'ai cru au crash là, mais non, pas de problème. Ok, là il monte toujours pas niveau. Attendez, est-ce qu'il gagne de l'XP au moins? Parce que je le vois. En fait, je vois pas sa barre augmenter depuis 1500. Ah, il est buggé Magikarp. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'il est buggé comme ça? Il est à 1576. Je ne sais pas du tout pourquoi est-ce qu'il ne gagne pas d'XP, tiens. Comment est-ce que je pourrais régler ce problème? Parce que là, c'est. Enfin, ça va me faire ça à tous les combats, du coup, il montera jamais de niveau. Pourtant, les autres montent de niveau, hein. C'est ça qui est chelou. C'est le seul qui monte pas de niveau. Enfin, je veux dire. Capumain, il prenait de l'XP et tout normalement. Ouais, ils prenaient tous de l'XP normalement, sauf lui. Je sais pas, je regarderai pour le prochain épisode. Pourquoi est-ce que ça fait ça? Je ne sais pas du tout. Je dois vous avouer que là, c'est assez perturbant. Ah, je pensais qu'il y en avait un shiny dans les deux, mais non, pas du tout. Ok. Alors lui, par contre, il a essayé de m'agresser là. Oh! Ah merde, comment ça se fait? Ah oui. Attendez. You should be here. Please report. Oh, you got. Ok. Bon, c'est un bug. J'espère que. What the f. Oh là là, attendez. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce qu'on est dans l'arène? Ok. Bon, attendez. Ça a bugué. On retourne au téléporteur. On y retourne. Sinon, je me ferai une téléportation. Je sais pas. Attendez, c'est chelou cette histoire-là. La map est quand même pas corrompue. Ouais, regardez, à chaque fois, en fait, ça me remet là. Attendez, je crois qu'il faut. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est pas ça. Parce que si vous voulez, pendant un instant, on est rapidement téléporté en dehors. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je me comprends. On est téléporté deux fois en fait à partir du moment où je suis dans le Nether, du coup, à mon avis. C'est peut-être pour ça. Hop, attendez. Tac, puis là, on va avancer. Il faut que je me bouge de là. Tac.
Non, ah putain, directement ça me téléporte, il n'y a pas moyen que je passe en fait. Bon, bah du coup on va arrêter l'épisode là, je suis désolé s'il est moins long que d'habitude. Je trouverai, enfin pour le prochain épisode, je nous téléporterai là-bas directement. Enfin dans le truc directement, ça sera peut-être mieux. En attendant, je vous laisse là pour cet épisode, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode, n'hésitez pas encore une fois à donner le Pokémon que vous voulez, essayer de donner des Pokémon qu'on a vus ou qu'on voit, par exemple un Xatu ou un truc comme ça. Enfin, je capturerai Natu à partir. Je sais pas si on dit Natu ou Natu, enfin, soit ou un Pidgeotto, je sais pas trop quoi. Enfin, voilà, vous avez compris. Et à me donner le pseudo, en tout cas, moi je vous laisse là pour cet épisode. La prochaine fois, on ira donc là-bas. Si j'y arrive. Et si j'y arrive pas, on ira quand même. Donc vous inquiétez pas, dans tous les cas, on ira voir. Peut-être qu'il y aura Celebi. Peut-être bien. En tout cas, on sait ça pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Bye!